Il y en a dehors. Emma, où est ta mère? Je sais pas, à l'étage peut-être. Chut, taisez-vous. Très bien. Je sais que vous êtes planqués devant nous. On a des armes, et je pense que vous aussi. Alors on va faire ça entre personnes intelligentes et respectueuses. Ça évitera de refaire couler du sang encore aujourd'hui. J'ai pas envie de négocier avec vous. Rendez-nous les deux personnes que vous avez capturées. Malheureusement, je pense que ça va pas être possible. Elles ont pas bien supporté leur séjour parmi nous. J'y suis. Calme-toi, Sam. Rendez-les-nous, et on partira sans faire d'histoire. Ok, je veux bien en libérer une. Après tout, je me sens plutôt généreux aujourd'hui. Va te chercher. Oui, comme je vous le disais, notre ami a plutôt mal supporté son séjour. Bande d'enfoirés! Allez au diable! Pose ton arme, sinon on aura mal à vie. Est-ce qu'on flingue ça? Chercher la fille. Rendez-nous la fille, on n'hésitera pas à tirer. Et j'ai quoi en échange? Une autre fille? La fille? La femme de Benjamin peut-être? Vous n'aurez personne d'autre! Tirez! Non, pas la fille! Laisse-le, ça les ralentira. Quoi? Fais ce que je te dis, ou tu vas servir de casse-croûte au pustuleux. C'est toi qui vois. Me laisse pas! Me laisse pas! Emma, va rejoindre ta mère. On fait quoi? J'en sais rien. Je sais pas. J'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui. C'est le mec qui nous a sauvés l'autre jour. Il faut qu'on l'aide, il va pas y arriver tout seul. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas d'armes. Alice, on peut pas le laisser comme ça. Ce mec t'a sauvé la vie. Bon. Ok, viens. Je sais ce qu'on peut faire. Ah!
Mais il n'y en a plus? Non. Ils étaient pas nombreux. Mais ça va, vous êtes pas blessé? Ah bah ça va, j'ai rien. Ah merci! Merci de nous avoir sauvés. Faut qu'on fasse nos sacs. Avec les coups de feu, on a dû en attirer d'autres. Et vous avez des armes au moins pour vous défendre? Non. À part quelques couteaux et des lances, on n'a rien. Tenez. Allez. Prenez ça. Et faites vite. Ça craint ici. Je vous couvre. Tiens bon, Anna. Putain, les enfoirés. Putain, t'as pas un truc pour l'essuyer? Faut l'emmener au camp. Les filles pourront s'en occuper, on peut rien faire ici. Elle est brûlante. T'as raison. On pourra rien faire de plus ici. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait d'eux maintenant? On va essayer d'attirer les charognards vers eux. Ok, comment on fait ça? Laisse-moi 2 minutes, je vais trouver une solution. Ok. Tu vas pas te mettre à chialer? N'empêche qu'il était condamné. Qu'est-ce que t'en sais? Tu sais ce que ça fait de se prendre une balle dans le bide? Non. Maintenant tu sais. Comme ça. C'est bien aussi. Putain, tu l'as pas raté. Bon, et maintenant on continue la chasse à l'homme? Non. Et puis celui-là, on va s'en occuper. Okay. J'ai des projets plus intéressants pour nous. Coulez-vous! Sortez de là! Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent! C'est le gars qui... Oui, c'est lui. Ok. Allez, venez, venez. Nathalie et Emma, sortez. Et Anna et Paul, ils sont où?